Bonjour Charles-Henri, tu es directeur associé chez Jaina. On te souhaite la bienvenue chez Ainsi Font Pour les Fonds. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous donner en quelques mots l'ADN de Jaina? Oui, Jaina c'est le fonds de Marc Simoncini. Donc c'est vraiment une personne qui incarne ce fonds. Nous on est les petites mains derrière à l'aider à le faire tourner, à le faire fonctionner et accompagner les entreprises dans lesquelles on investit. Mais Jaina c'est avant tout Marc Simoncini qui est un entrepreneur de l'internet, un entrepreneur hors pair qui a réussi beaucoup de choses à commencer par Mythic et qui a envie de mettre non seulement son argent, ce qui est déjà un engagement fort, mais aussi son énergie, ses compétences, son temps au service des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles startups de l'internet, des médias, des nouvelles technologies. Et donc c'est cette ambition qu'il a déployée depuis 4 ans. On a investi à date à peu près 30 millions d'euros. Et vous pensez investir jusqu'à combien ? À peu près encore au moins 50 millions d'euros. Et les tickets moyens, à peu près ? Ça varie. On a comme gros avantage d'avoir un seul investisseur qui est Marc Simoncini. Donc finalement, c'est lui qui, à l'arrivée, peut orienter les choix en fonction des coups de cœur, de ce qu'on estime être une bonne opportunité. Donc on a une marge de manœuvre assez extraordinaire de ce côté-là, ce qui fait que ça nous donne toute latitude, c'est-à-dire qu'on peut investir 300 000 euros comme 7 millions dans les lentilles et les lunettes Sensi. Concrètement, vous les aidez comment ? C'est du très concret parce que ça va de les aider à faire du démarchage commercial, à les présenter à des prospects qu'on connaît, à les aider à recruter les bonnes personnes pour renforcer l'équipe. Donc on a évidemment un réseau qui nous le permet. Ça va les aider à faire des plans médias. Marc a fait énormément de campagnes télé pour Mythic. Il sait exactement qui sont les bons prestataires, les bons partenaires et quels sont les bons messages aussi à véhiculer dans les médias pour une entreprise interne. Donc il va apporter tout ce savoir-faire et aussi la technicité de ses services qui pour un jeune ou une jeune entrepreneur n'est pas nécessairement une compétence qu'on a au démarrage. Nous on voulait aborder avec toi aujourd'hui la valorisation qui est un sujet assez épineux dans les sociétés. Comment un fonds valorise une société? Quelles sont les clés aujourd'hui que vous avez? Alors c'est vraiment un point crucial et qui n'est pas une science exacte malheureusement. Donc il n'y a pas de recette miracle, mais il y a juste quelques éléments à avoir à l'esprit pour appréhender le sujet, tant côté entrepreneur que côté investisseur d'ailleurs, parce que des deux côtés c'est finalement un équilibre qu'il faut trouver. Donc il va y avoir différents niveaux de besoins et différents stades de développement de la société. Si on part sur le premier stade, qui est celui sur lequel notamment Jaina intervient pas mal, qui est l'amorçage. Clairement, la valorisation, c'est comme dans le souk de Marrakech. C'est-à-dire qu'il faut négocier au mieux son tapis, de part et d'autre. Ce qui compte, c'est de se dire, voilà, quel est le montant côté entrepreneur. De ce côté-là, l'entrepreneur doit se dire de combien j'ai besoin d'argent. Et finalement, il faut viser juste. C'est-à-dire que s'il ne demande pas assez d'argent, évidemment, il ne va pas réussir à aller jusqu'à un point B qui sera le point où il aura atteint certains niveaux de développement et qui lui permettront éventuellement de relever beaucoup plus d'argent, mais dans des conditions bien meilleures. Et puis, donc ça c'est le premier élément, donc ne pas viser trop juste, mais non plus être trop large. Parce que si finalement il a besoin de 500 000 euros, qu'il le sait, qu'il se rend compte que c'est une fourchette, c'est jamais précis, mais c'est une fourchette entre 500 et 800 000 euros, et puis qu'il arrive et qu'il dit « il me faut 3 millions », un, non seulement d'abord, il risque de ne pas être crédible, et puis deux, ça va conditionner la valorisation. Parce que finalement, ça marche toujours par une règle de 3 au niveau de l'amorçage. C'est grosso modo l'argent que je lève, c'est pour donner un tiers du capital. À peu près entre 20, 25, un tiers du capital. Voilà. Donc à partir de là, le côté investisseur, on va se dire, voilà, moi, évidemment, je veux le maximum de capital pour le moins d'argent possible. En même temps, si je suis trop gourmand, c'est pas moi qui vais gérer la société au quotidien. Donc si je décourage les dirigeants parce que j'ai pris trop de capital et que finalement je les pénalise en se disant que le potentiel de gain à la sortie, ben, il est pour moi et pas pour eux, ben, je vais tout perdre. Donc j'ai pas intérêt non plus à être trop gourmand. Et il y a un élément souvent où il y a un problème de communication entre les dirigeants et les investisseurs, c'est que l'investisseur il mutualise son risque. Il diversifie son risque sur plusieurs sociétés. Et donc, malheureusement, pour l'entrepreneur qui va réussir, il va financer les pots cassés des autres. Et donc, en fait, quand on est obligé de se raisonner systématiquement côté investisseur en se disant « j'investis sur une société et si elle marche, elle
financera celles sur lesquelles je me suis trompé parce que de toute façon, statistiquement, je ne pourrais pas faire 100% de réussite. Donc finalement, tu te rends compte que c'est assez empirique comme méthode. On se dit, voilà, bah, j'investis à une valorisation de quelques millions d'euros. Je pense que je peux faire x 10, x 20. Quand on est investisseur en amorçage, c'est de toute façon sur ces multiples-là qu'il faut raisonner. Parce que si on veut faire x 2, vaut mieux investir directement en bourse ou en bon père de famille sur des placements sécurisés. Dans l'amorçage, on dit que justement, c'est un petit peu un système de marchand de tapis. Quels sont les critères clés, de manière très pratique, que vous regardez dans une start-up pour définir sa valorisation? Alors, avant tout, c'est l'aventure humaine. Donc, ça va être les personnes. L'équipe. C'est les hommes et les femmes qui démarrent cette aventure. Mmh. Et c'est sur eux qu'on parie. Alors là, le CV valorise plus ou moins. Non pas les diplômes, parce que ça, ce serait une erreur gravissime que de s'appuyer sur des diplômes, mais c'est sur ce qu'on a fait avant. Mmh. C'est-à-dire que si tu viens me voir pour lancer un site de chaussettes et que jusqu'à présent, tu faisais de l'audit, bien sûr. Je ne suis pas sûr que je vais beaucoup valoriser ton expérience. Alors que quelqu'un qui a été dans la chaussette pendant 10 ans et qui me dit « En fait, il y a un super concept que personne n'a fait et qui est vraiment à lancer sur Internet et ça va marcher. » Et voilà, et il peut me parler pendant 2 heures de la façon de faire des chaussettes et de choisir les bonnes couleurs. Ah ben là, je vais l'écouter et je vais le valoriser au mieux. Voilà, donc ça, c'est les éléments importants. Après, c'est évidemment dans la valorisation, ce qui va rentrer, c'est le potentiel. C'est fondamental. On est dans les nouvelles technologies sur une industrie à forte croissance. On n'est pas là pour se dire la société va croître de 5-10% péniblement chaque année. Bien sûr. Voilà. Donc, si on se rend compte que le projet en question n'a pas ce potentiel, et on le voit hein, quand on reçoit des business plans, il y a des dossiers comme ça, donc vraiment où on nous dit dans 2017, je ferai 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires. C'est bien. Mais là, on ne peut pas valoriser ça déjà. C'est, voilà, pour donner des chiffres un peu concrets, pour que ça parle aux gens. Quand on est sur un site internet de vente de chaussettes, on va parler, tu vois, de valorisation sur un premier tour quand il n'y a pas de chiffre d'affaires. Ça va être en fonction du besoin, mais grosso modo, si on estime qu'on a un besoin de 300 000 euros, ma petite règle de dire on va laisser entre 25 et 33% du capital, ça va faire une valorisation à la fin du premier tour d'à peu près 1 million. De toute façon, on est sur des valorisations dans les sociétés d'amorçage dans l'Internet entre un peu moins d'un million et un peu plus d'un million. Évidemment, parce que là, on parle spontanément sur des sociétés Internet où l'innovation technologique n'est pas majeure. Bien sûr. Il y a des sujets qui ne sont pas nécessairement des sujets technologiques, mais qui sont des sujets marketing, de création d'un nouveau marché, d'un nouveau service en ligne, en particulier sur l'Internet, c'est là où il y a eu le plus d'innovation de ce côté-là. Et on va se dire, il faut mettre tout de suite 2, 3, 4 millions d'euros. Dans de l'amorçage, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Mais si on ne met pas cet argent-là tout de suite, on sait que derrière, de toute façon, ça ne sert à rien de mettre du tout parce qu'on y perdra. Donc là, il y a des gens qui sont joueurs, qui acceptent de mettre des plus gros tickets d'entrée de jeu. Évidemment, un des éléments qui va aussi conditionner la valorisation, ça va être l'expérience de l'équipe. Donc, je reviens au premier critère qui sera le premier. Parce que si c'est un spécialiste de la chaussette qui me dit, avec 4 millions, je vais réussir le site de la chaussette en France, il sera crédible. Et on trouvera des mécanismes de valorisation ou de relution, d'intéressement à la plus-value pour que tout le monde retrouve son équilibre et que voilà. Merci beaucoup Charles-Henri. On va passer à notre question habituelle. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs? Oui, je dirais aux entrepreneurs et même aux investisseurs. Et éventuellement que l'entrepreneur peut rappeler aux investisseurs au moment de la discussion de la valorisation. Le premier point fondamental pour l'entrepreneur, c'est qu'un financement, il ne faut pas faire un coût financier. On ne cherche pas à maximiser sa valorisation, sa société, parce que c'est une histoire de longue haleine. On est en train de bâtir une relation, donc déjà des gens qui commencent un petit peu à bidouiller sur la valo, à essayer de… Voilà, ça ne va pas le faire en termes d'esprit, premièrement. D'accord. Et puis en termes de futur de la société, c'est très bancal, parce que si vous maximisez la valorisation au premier tour ou à l'amorçage, tu vas avoir donc une très belle valorisation. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? Les fonds ne vont pas vouloir suivre. Ils vont dire, mais c'est juste pas possible qu'on puisse derrière nous gagner de l'argent. Donc, à court terme, l'entrepreneur aura fait un bon coup parce qu'il sera très peu dilué. Il aura fait rentrer des gens une très grosse valorisation. Mais il aura mangé son pain blanc et derrière, il n'aura plus de ressources pour lever des fonds sur les tours suivants. Donc, c'est attention à l'appât du gain trop rapide et de se dire derrière, je n'ai pas une relation de long terme, soit avec mes investisseurs existants qui n'ont pas nécessairement en plus la capacité de remettre, soit avec des nouveaux qui vont dire, ah oui, mais attendez, les règles du jeu vont complètement changer. Et là, ça ne peut que créer des tensions entre les existants et les nouveaux entrants. When the darkness starts to take your soul away.